C'est l'émission Solidaire d'abord qui existe déjà depuis un certain temps, grâce à Fréquence 7 qui nous laisse la parole et nous laisse nous exprimer d'une façon pas tout à fait pareille, bref, comme Fréquence 7 l'est. Et donc on est encore sur une émission sur le pass sanitaire, sur les vaccins, sur tout ce que ça suppose, tout ça, parce que je trouve que le sujet est suffisamment important avec des gens qui sont dans une situation grave, parce qu'il y a des soignants qui sont suspendus. Alors bon, déjà rien que ça, le terme de suspendu, ça me paraît ahurissant. Enfin bon, là on va déjà commencer sur, alors, vous qui êtes autour de la table, vaccin ou pas vaccin, est-ce que vous pouvez un tout petit peu préciser pour que tout le monde puisse se faire une idée un peu plus complète? Bah, je dirais déjà que utiliser le mot vaccin alors que c'est une injection qui est encore en phase expérimentale pour quelques années, c'est peut-être plus facile pour faire avaler la pilule aux citoyens de dire le mot vaccin alors qu'on est encore dans une, plus ou moins c'est une thérapie expérimentale. Hein, Mais même la notion de thérapie, à mon sens, elle est impropre, hein. Parce que pour avoir une thérapie, il faut être malade. Or, là, ce truc qui est injecté à des sujets sains, pour la plupart. Donc, je trouve qu'il y a quand même une espèce de truc un peu bizarre autour des mots qu'on s'autorise à utiliser avec cette espèce de grosse bouse-là qui nous tombe dessus depuis maintenant 2 ans, quoi. Je comprends plus. Les mots qu'on utilise sont impropres et ça ne va pas. Voilà. Oui, et puis il y a aussi effectivement le fait d'avoir des rappels à faire tous les 6 mois. Hein, on peut penser qu'un vaccin, comme on l'entend, hein, en tout cas comme on l'a toujours connu, protège normalement pour plusieurs années. Donc là, on est quand même sur une forme qui est plus un traitement partiel, on va dire, plutôt qu'une vaccination qui serait avec un but de protéger durablement les personnes. Donc Véran et Macron, effectivement, parlent de troisième dose, et puis on ne sait pas, puisque leur troisième dose, ils l'énoncent comme quelque chose de très très important, essentiel, à partir du moment où ça fait 6 mois qu'on a été vacciné. Donc on peut supposer qu'il y aura quatrième, cinquième, sixième. Alors tu disais, il y a abus de langage sur le rappel aussi, je ne sais plus exactement qui en parlait des rappels tout à l'heure, en disant ils ne veulent pas parler de troisième dose, ils veulent parler de rappel. Oui, c'est ça, c'est en fait utiliser toute une terminologie vaccinale, en fait, pour faire croire à la population que ce vaccin est comme tous les vaccins qu'on a connus, alors qu'il n'a aucun rapport, ni en termes de technologie utilisée, ni en termes d'efficacité, et encore moins, justement, sur la répétition qu'il peut y avoir avec tous les 6 mois. Tout le monde se rend bien compte que si tous les 6 mois, il faut s'injecter quelque chose, bon, ça commence à être un peu compliqué. Alors... Oui, puis excuse-moi, mais là, moi, ce qui me chagrine le plus dans cette affaire, en fait, c'est la pression et la violence qui va avec. C'est-à-dire que là, on est en train, enfin, ce cher président de la République est en train de dire quand même aux citoyens qui ont accepté de jouer le jeu, hein, à leur risque et péril, que s'ils ne consentent pas à la troisième injection, en tout cas, il faut que le scénario soit étudié comme ça a pu l'être en Israël, où on voit que les effets sont absolument mais catastrophiques, délétères, enfin, ouvrons les yeux, quoi, et tirons les conclusions qui s'imposent. Là, ils sont en train de réfléchir en France à supprimer le bénéfice du pass sanitaire aux citoyens qui se sont fait injecter à 2 reprises. Donc là, il y a quand même quelque chose qui dérape totalement, là, enfin... Bon, moi, je voulais aussi attirer l'attention de nos auditeurs sur les interventions répétées du docteur Ohr. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, ça s'écrit O-C-H-S. Et c'est un médecin qui alerte sur la présence très, très importante des dédimères dans le sang.
En fait, les dédimères, bon, il vous l'expliquera mieux que moi, hein, mais tapez ça sur Internet, par pitié, faites des recherches et allez voir ce que le docteur Or dit des dédimères. C'est absolument sidérant. Voilà. Moi, j'ai une question annexe. Donc, tu disais à l'instant qu'on était en phase 3. Que ça s'arrête quand, une phase 3 ? Alors là, normalement, c'est prévu pour 2022, fin d'année 2022, où ils vont sûrement vérifier tous les effets secondaires qu'il y a eu, le bénéfice, soi-disant, de l'injection, qui pour l'instant n'est pas très bénéfique quand même, vu le nombre d'effets secondaires signalés sur tous les réseaux, la NSM, même au niveau européen. Les chiffres qui sont en ce moment répertoriés et qu'on nous vend hein, dans la presse diverse, c'est largement sous-évalué en plus parce qu'il y a, je pense, des tas de médecins qui n'enregistrent pas les effets secondaires. En tout cas, c'est ce qui circule. Là, actuellement, on est vraiment dans une France un peu divisée quand même. Un mot d'ordre, tu crois, pas enregistré ou Je crois que c'est très compliqué de faire la déclaration. C'est très difficile. C'est eu arrivé, nous, un médecin a voulu faire une déclaration et ça se fait bien sûr par informatique. Et en fait, il y a des questionnaires qui sont d'une longueur apparemment pharaonique et donc ça les arrête, hein, ni plus ni moins. Voilà, on en est là. Est-ce que vous pouvez juste comme ça nous rappeler, sans bien sûr préciser vos noms, puisque il vaudrait mieux pour chacun ne pas dévoiler son identité, mais c'est quoi votre métier à vous qui êtes autour de la table ? Moi je travaille dans la santé mentale. D'accord. Moi je suis infirmière. Et moi éducateur. D'accord. Bon, oui, tu parlais de sénateur, il me semble, tout à l'heure aussi, par rapport à justement tout ce problème de vaccin. Oui, oui, bah, actuellement, on voit, puisqu'il y a eu le dépôt de la proposition de loi pour prolonger le pass sanitaire à partir du 15 novembre. Donc, ça a été examiné déjà dans un premier temps je ne sais pas si ça a été examiné, en tout cas, les sénateurs se sont penchés déjà sur la question. Et aujourd'hui, il y en a pas mal qui montent au créneau en disant « Mais on ne peut pas rendre obligatoire un vaccin encore en phase expérimentale, encore en phase 3. » Il se réveille, quoi. Et alors, voilà. Alors que nous, tous ici autour de la table, on est des professionnels qui sont déjà concernés par ça. Donc ils pointent aussi le consentement libre et éclairé nécessaire pour une obligation vaccinale, alors que nous, on nous l'a clairement supprimé. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, il y a des arguments qui commencent à sortir, que nous, on avance depuis des mois, hein, en tant que soignants et en tant que professionnels qui sommes concernés, qui sont renseignés depuis des mois. C'est ce qu'on pointe, et personne ne nous écoute, et les sénateurs se réveillent aujourd'hui. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la France à deux vitesses, là, où une fracture au niveau de la société française, avec des professionnels qui ont dû chercher des réponses là où la presse ne leur en fournissait pas, en fait, et qui ont dû basculer sur un système d'information parallèle avec les réseaux sociaux qui, ma foi, font le taf des médias actuellement. Hein, c'est-à-dire que, alors, on trouve à boire et à manger hein, dans les réseaux sociaux. Je ne dis pas qu'il faut suivre les choses de façon dogmatique, mais je trouve quand même que c'est intéressant parce que, là, par exemple, est-ce que vous avez vu aux informations nationales, classiques, ce qui est en train de se passer dans des pays comme l'Australie, dans un pays limitrophe au nôtre, en Italie? C'est une catastrophe. On est à deux doigts de la guerre civile, là. Mmh. Et je ne dis pas guerre civile entre deux communautés. Je parle de guerre civile entre un gouvernement qui envoie des forces armées pour lacrymoger, alors je ne sais pas si ça se dit, mais tiens, on va faire un petit néologisme, et puis pour envoyer de l'eau à des manifestants, à des salariés qui bloquent les ports. Hein. Toutes les stations portuaires actuellement en Italie sont bloquées par les manifestants. Est-ce que vous envoyez quelque chose à la télévision française ? Non, non, mais de toute façon, ça fait un petit moment que les réseaux sociaux sont là pour remplir ce vide sidéral que les infos mainstream veulent bien nous laisser filtrer. Hein, puisqu'on est complètement captif depuis maintenant 20 ans. Tout doucement, c'est devenu de plus en plus fort. Ouais. Et on n'a plus droit aux infos. Hein, on n'a plus droit aux infos. Oui, c'est de la communication aujourd'hui. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que finalement, vu qu'un consentement libre et éclairé dépend d'une information claire et loyale,
De toute façon, aujourd'hui, on ne pourrait même pas avoir un consentement libre et éclairé, puisque l'information, c'est pas de l'info, c'est de la com, et il n'y a rien de clair et loyal là-dedans. Non. Merci Fréquence 7 d'être libre et éclairé. C'est ça. Ouais. Non, mais moi, j'ai pu parler avec de nombreux de mes collègues qui sont restés en poste et qui m'ont confirmé qu'aucun d'entre eux n'est allé de gaieté de cœur et avec l'idée que la vaccination était bonne. Voilà. C'est-à-dire que concrètement, on a affaire à des gens qui ont besoin de travailler pour subsister. Alors, je ne dis pas que je fais exception à cette règle-là, mais ils ont tous pris un risque et ils y sont tous allés en pleurant, hein, quand même. Et moi, je m'interroge un peu, je me dis, mais c'est quoi ces soignants qui piquent d'autres soignants alors qu'ils disent, mais on ne peut pas vous donner notre consentement libre et éclairé, on est contraint. Mais contraint, on l'a tous été, parce que moi je me souviens, avant que beaucoup de gens se fassent vacciner, il y avait un déficit, les gens ne voulaient pas y aller. Hein, et c'est bien parce que le petit chef là-haut s'est agité et nous a dit « Attention, vous n'aurez plus le droit de faire ci, vous n'aurez plus le droit de faire ça », que les gens y sont allés. Et c'est quand même assez absurde, parce qu'une fois qu'ils y sont allés, d'un seul coup, ben, ils étaient d'accord. Quoi, hein, alors qu'ils y sont allés contraints et forcés, certains en reculant, et puis une fois qu'ils l'ont fait, il faut que tout le monde y aille. Parce que je pense que quand ça se passe bien, quand il n'y a pas d'effet au niveau somatique, je crois que ça allège quand même d'une certaine forme de pression mentale, mais intense, parce qu'on est en lutte, nous, là, en permanence, en train de se dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On perd notre job, ou on y va à cette vaccination? On en connaît, hein, des gens qui sont encore vivants, heureusement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même compliqué d'avoir cette espèce de dichotomie en permanence dans la tête, de savoir, mais est-ce que je continue à vivre ma vie? Parce que c'est un peu ça la question, est-ce que je continue à vivre ma vie ou est-ce que je fais autrement? Et je crois que quand on a répondu à cette question et qu'on a consenti de manière non libre et non éclairée à la vaccination, ben, ma foi, ça fait tomber quelque chose malgré tout. Moi, ce qui, enfin, pas que pour les soignants, pour la population, pour les citoyens, j'ai lu quand même que 4 pays nordiques avaient suspendu le Moderna, la Finlande et la Suède pour les moins de 30 ans, la Norvège et le Danemark pour les moins de 18 ans, et c'est à cause des effets secondaires des myocardites et des péricardites. Je rappelle qu'en France, AstraZeneca a été suspendu, que Johnson & Johnson aussi, pour les mêmes raisons d'ailleurs. Et le rappel va se faire avec Pfizer, et qui je crois, a posé d'autres problèmes dans d'autres pays, en fait. Et par principe de précaution, et en raison d'un risque peut-être important de myocardite et de péricardite, la Haute Autorité de Santé estime que le vaccin Moderna ne doit plus être utilisé pour des injections de rappel. Donc, ça me pose problème. Moi, quand je lis ça, ça me pose problème. Après, c'est pareil, entre ceux qui ont eu le Janssen et qui vont devoir avoir le Pfizer... C'est quand même une partie d'apprenti sorcier, parce que qu'est-ce que ça va donner au niveau conflit dans la vaccination? C'est totalement aberrant. Là, on joue avec le feu, là. Exactement, on ne sait pas ce que ça va donner. Pour les interactions médicamenteuses, je crois qu'il faut demander à son médecin. C'est ça. Je crois que c'est ça qu'on dit. Exactement. Mais même ça, enfin, je ne sais pas, moi, je trouve que c'est quand même inédit dans l'histoire. D'assister à ce type de vaccination de masse dans des vélodromes, dans des... Enfin, mais moi, ça m'a... Je suis restée... Mais c'est parce que c'est une vaccination de technocrate. C'est absolument pas une vaccination de soignants. Mais je suis d'accord. On est d'accord. Oui, tout à fait. C'est le fait de l'avoir vu avec les vaccinodromes, de ne pas utiliser le réseau des soignants habituels, bien sûr. On voit bien que là... Et c'est ça qui est extrêmement grave aussi, il me semble. Bon, vous voyez, il y avait autre chose aussi... c'est que les soignants, ils sont suspendus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être suspendu? C'est un nouveau terme juridique. Normalement, ça n'existait pas dans le droit du travail, être suspendu. C'est une nouveauté, et d'ailleurs, ça n'existe toujours pas dans le droit du travail. Hein. Ça existe uniquement dans la loi du 5 août 2021. Hein. Oui. Donc, ils n'ont pas retouché le droit du travail à ce niveau-là, puisque certainement, c'était problématique dans la procédure. Donc, actuellement, c'est aussi un petit peu ce qu'on entend, c'est-à-dire donc la médecine du travail, par exemple, pour des personnes qui ont été suspendues en arrêt de travail, on dit aussi, mais c'est illégal, hein, ils le disent. Mais à un moment,
il n'y a personne au niveau des juridictions, au niveau des juges, au niveau des avocats qui se saisit de ce problème de droit fondamental. Et en fait, on laisse les gens, ceux qui sont concernés, faire des recours dans des tribunaux où là même ils sont pas déboutés, mais ils sont repoussés à plus tard parce qu'on ne sait pas quoi leur dire. Alors que le bon sens voudrait qu'une loi comme ça, qui n'est pas finalement traitable par des tribunaux, ne soit pas valide. Enfin, ne soit pas appliquée dans la réalité. Et ne soit pas considérée déjà à la base comme valide. Parce qu'il y a un paquet de gens. Hein. Le Monde chiffrait 19 000 personnels de santé qui étaient suspendus le 13 octobre. Mais ce que l'on discutait en aparté tout à l'heure, c'était que 19 000 personnels de santé suspendus, mais en plus, il y a tous ceux qui se sont mis en arrêt maladie pour pas se retrouver dans ce conflit, quoi, en fait. Hein. Mais il y en a qui disaient, on a beau être en arrêt maladie, on est quand même suspendu. C'est ce qui est aberrant, c'est de voir que les directeurs de structures de soins foncent tête baissée dans ces suspensions. Ils regardent même pas, voilà, pourquoi... Déjà, ils n'ont pas le motif de l'arrêt, déjà. Donc ça leur pose un peu souci de pas savoir. Mais d'envoyer des lettres de suspension à des soignants qui sont en arrêt certainement pour d'autres motifs que le refus de vaccination, pour certains. Et il y en a qui ont rejoint des collectifs parce qu'ils sont complètement déboussolés d'avoir reçu cette lettre en recommandé chez eux, leur stipulant qu'ils sont suspendus, donc pas de salaire, alors qu'à la base, ils sont arrêtés bien avant le 15 septembre, déjà, ce qu'il faut savoir aussi. Et c'est illégal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un arrêt de travail suspend le contrat de travail, il ne peut pas être suspendu par autre chose. C'est comme ça. Mais là encore, abracadabra, on ne sait pas ce qui se passe. D'ailleurs, les directeurs se sont positionnés quand on les questionne sur ce point. Ils disent, mais ce n'est pas écrit dans la loi, mais ce n'est pas interdit. Donc c'est-à-dire qu'on rentre dans une dynamique où c'est du zèle de certaines personnes. Alors, c'est même plus que du zèle. Moi j'interprète ça comme une forme de cruauté, de vice, de ce qu'on veut. Mais c'est extrêmement, quand même, critiquable. Oui. Et c'est même pas dans la loi. C'est des directeurs qui prennent ces initiatives, qui sont des initiatives avec des conséquences déplorables pour des gens déjà malades, déjà arrêtés, déjà dans un état psychologique difficile, à qui on rajoute cette pression. Là, il y a un gros problème, parce qu'il y a plein de gens donc, qui sont suspendus, donc qui sont arrêtés, hein, et on se retrouve avec un manque de personnel. Bah oui, il y a des pénuries de personnel, alors notamment dans les EHPAD, en Ardèche, où l'Agence régionale de santé a proposé aux établissements de l'Ardèche de faire appel à des travaux d'intérêt général. Alors les travaux d'intérêt général, c'est quand même des peines alternatives à la prison ou des peines complémentaires. Donc c'est un peu inquiétant quand même, parce que quand on en arrive là, je pense que la situation est vraiment critique. Alors, moi je ne sais pas si vous avez vu, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez vu l'intervention du député Solignac à l'Assemblée. Si. Vous avez vu ça? Enfin, il le soulève et son argument est balayé, mais d'un mépris sans nom, par ce président. Ce ministre, c'est pas sévérant. Ce ministre, oui, c'est sévérant, c'est ça. Et en fait, je pense que j'ai dû le regarder plusieurs fois, parce que j'en reviens pas. J'ai poussé même le vice, parce que donc il a dit qu'il n'y avait que 100 infirmières sur les hôpitaux de Paris, oui, qui étaient suspendues. Il faut savoir que les hôpitaux de Paris en comptent 39. Donc en faisant la division, ça fait 2,5 infirmières suspendues par hôpital. Mmh. Ben, ça veut dire que même nous en Ardèche, il y en a beaucoup plus qu'à Paris. Donc je pense qu'on n'est pas des débiles non plus. Mmh. Ils essayent vraiment de cacher la vérité, on est bien plus que ça. Mais tu vois bien la manière dont au départ, c'était 3000 soignants, c'est ça, qui étaient suspendus le jour J, c'était 3000. Et là, on est passé à 15 à un moment donné. Par la presse, on a appris ça. Et là, maintenant, tu me dis, Michel, qu'on est à 19. Moi, je crois que de ces chiffres, on n'en a aucune idée dans la vérité, vraiment, de ces chiffres. Et pour rebondir un peu... Moi, je peux donner des chiffres précis. Oui. Oui, toi, tu pourrais donner des chiffres précis. Après, je pense que ce qui serait quand même assez intéressant et assez intelligent, c'est que le gouvernement, mais je ne suis pas certaine qu'il soit... accessible à cette forme d'intelligence-là, pardon, mais j'en suis pas certaine, mais en tout cas,
dans leur position un peu délicate, là, parce que quand même, il y a une grogne hein, qui s'est quand même installée dans l'été, ça c'est quand même des mouvements rarissimes, que, que des mouvements sociaux aussi importants et aussi denses tiennent tout l'été jusqu'à la rentrée et persistent encore, même si on a beau fait de nous dire que ça s'essouffle, mon œil, il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des gens qui grognent, et la grogne, elle ne va pas s'arrêter, en fait. Elle ne va pas s'arrêter, mais là encore, c'est traité par un mépris qui, à mon sens, est vraiment... insupportable, intolérable de la part de nos gouvernants, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Et ce que je me dis, c'est que là, ils auraient quand même, pour faire bonne figure, intérêt à dire on va faire un peu de cas par cas maintenant. C'est-à-dire que vous, les soignants, qui avez résisté à cette injonction vaccinale, vous ne voulez pas, bon, ben ok, mais on va vous faire faire une sérologie, on va regarder un peu comment est-ce que, en ayant été confronté comme ça en première ligne à ce Covid, comment est-ce que votre système immunitaire naturel a lutté contre cette maladie et est-ce que vous avez constitué une défense contre cette Covid. Et là, ça aurait quand même un peu de poids et là, on aurait un peu affaire à une parole qui aurait un peu de sens et en laquelle moi je pourrais placer un petit peu de confiance parce que là la confiance elle est complètement écornée. Tu leur prêtes une réflexion que mais là, je pense qu'ils n'ont pas. Moi j'y arrive plus. Je voulais juste préciser là, sur mon chiffre parce que je pense que c'est important puisque moi dans ma structure on est 500 salariés et la direction des ressources humaines, hein, donc c'est officiel, a quantifié à 35 suspendus, donc c'était il y a 10 jours. 35 suspendus et 80 salariés en CDI absents par rapport à la vaccination. Donc ça comprend des congés, des arrêts maladie et tout. Donc ça fait 125, ça représente un quart de l'effectif total. C'est énorme. Hein, en comptant le personnel administratif, entretien, les éduques. Dans le monde, il y avait des chiffres aussi, il y a 99,4% de soignants qui sont vaccinés. Annoncé par Le Monde et l'AFP. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. À voir. Comment veux-tu qu'en Afrique, par exemple, ils ne peuvent pas vacciner. Enfin, il y a plein d'endroits où ils, tu vois, conserver le vaccin, etc. Enfin, alors je pense qu'en plus, ils décomptent les Antilles. Hein. Parce que aux Antilles, j'ai encore vu ce matin, ils ne sont pas vaccinés. Ils ne sont pas vaccinés dans les Antilles. Et est-ce que vous avez vu ce pourcentage absolument extraordinaire? Mais là encore, ça vient alimenter le monde de fou qu'on est en train de vivre, là, quand même. Il y a eu, à un moment donné, un pourcentage chez les jeunes, je ne sais pas quelle tranche d'âge, qui était vacciné à 103%. Voilà. Hein. Bon, non, mais ça, c'est quand même merveilleux. Enfin, quand on voit des chiffres soi-disant officiels comme ça, dont le ministre Véran se targue, mais c'est bidon, quoi. Ce mec est bidon. Mais avance, on n'a plus beaucoup de temps. Il me semble que ça serait bien de parler aussi des risques que les labos ne prennent pas, puisqu'ils ont réussi à obtenir le fait qu'ils ont une immunité. Absolument. Ouais. Non, mais ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment merveilleux. C'est le clou du spectacle. C'est-à-dire que les laboratoires ont commercialisé donc leurs produits là, en s'assurant d'une immunité absolue. C'est-à-dire que les gouvernements seront sous le coup de l'immunité, j'allais dire. D'une immunité, oui, une immunité. Donc, c'est-à-dire que si. Gouverné par des irresponsables. Hein, mais c'est absolument ça. Ils resteront intouchables. C'est ça le pire, ils seront vraiment intouchables. Parce qu'après, il y a eu des affaires comme le Mediator qui ont fait qu'ils ont été condamnés. Mais en même temps, plus revivre ça. Tu regardes Fabius avec l'histoire du sang contaminé quand même. Okay. Qu'est-ce qu'il a eu comme sanction ce Rien type du tout, ils sont toujours là. Il est président du Conseil constitutionnel. Mais comment est-ce que le peuple français peut encore accorder sa confiance dans ces élites de pacotille? Non mais sincèrement, comment est-ce qu'un soignant non vacciné peut être... éventuellement emprisonné parce qu'il exercerait sa profession. Voilà, ça va jusque-là. Hein, comment est-ce qu'on peut soutenir ça à l'heure actuelle? Qu'un soignant non vacciné qui continuerait, par exemple, d'exercer à titre gracieux, Les amendes sont terribles. Les amendes financières sont terribles. Il va bientôt être obligé de rembourser, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, absolument. Les médecins vont être obligés de rembourser si, à partir du 15 septembre, toutes les prescriptions... Et les consultations qu'ils auront faites, donc ça fait un sacré budget, à la sécurité sociale. Donc rembourser tout ça. Donc c'est quand même fou. Mais quel sens est-ce que ça a, franchement? Et je voulais revenir sur un point important qu'on a soulevé sur justement l'irresponsabilité des labos et des gouvernements. Ce que ça implique derrière, c'est que ce n'est pas que pour le Covid. C'est maintenant, ça va être comme ça. Donc ce qui veut dire qu'à chaque situation d'urgence,
ça va être une course entre labos pour sortir le plus rapidement possible le traitement miraculeux qui va permettre justement de s'en sortir. Mais du coup, comme il n'y aura pas de responsabilité, toute la sécurité va sauter. Et donc là, c'est une porte ouverte à d'énormes dérives. Oui, alors, il reste une dernière chose, c'est par rapport à ce que tu disais sur la pandémie. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est une pandémie? Avant l'OMS, c'était très clair. La pandémie, c'était un quota croisé de plusieurs indices, c'est-à-dire le nombre de morts et la rapidité du développement de la pathologie, en fait, la contagiosité de la pathologie. Et à partir du moment où il y a eu la grippe A, mais je crois que c'était ça. Eh bien, les trucs ont changé, en fait, la donne a changé, et maintenant, le côté létal est éradiqué de l'équation. C'est-à-dire qu'on ne considère maintenant que la contagiosité de la maladie pour la dénommer pandémie. Ce qui fait qu'après, ça lance les laboratoires dans la course au vaccin, il faut aller très très vite, et donc, comme on le disait tout à l'heure, il peut y avoir une pandémie de rhume qui va donc amener à une vaccination contre le rhume, il peut y avoir une épidémie de gastro, une pandémie de gastro avec, clac, le vaccin contre la gastro, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bonjour l'avenir, à bientôt, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.